Mission TV, le miroir du monde. Je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse
Et si quelqu'un tue, il la répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère, on répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère, crétin, il la répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit, renégat, il la répondra dans la géhenne de feu. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas tenir d'être méchant. Au contraire, quelqu'un qui donne-t-il un soufflet sur la joue droite, donne-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course de mille? Fais-en deux avec lui. Il avait tellement conscience
de son humilité devant Dieu. Et j'ai appris, pendant qu'il était même ministre, il balayait son église avec un balai. Parce qu'il avait conscience de sa petitesse devant Dieu. Il avait conscience de son nullité devant Dieu. Bien plus, l'honorable chérubin Okende avait une grande dévotion à la bienheureuse Vierge Marie. Et j'ai reçu le témoignage de la famille. La journée du mercredi, comme aujourd'hui, le mercredi, chaque mercredi, pour chacun, était un jour de jeûne et de prière. Et comme vous l'avez si bien noté, c'est précisément le mercredi 12 juillet 2023 que Chérubin Okende fut kidnappé, fut enlevé. C'est encore un mercredi, aujourd'hui donc, que nous prions pour lui. Et ces coïncidences ne sont pas de hasard. Nous savons que son corps sans vie a été retrouvé le matin du jeudi 13 juillet dernier, la semaine passée. Jusqu'à ce jour, les circonstances de son assassinat demeurent encore confuses. Une chose est certaine. Cette mort tragique nous révolte tous et toutes. Et bouscule la conscience humaine, la conscience chrétienne. En effet, voir un père de famille et un haut responsable dans ce pays être abattu d'une manière aussi ignominieuse et lâche, fait froid au monde. Fait très mal. Non seulement pour sa famille biologique, mais pour toute conscience humaine croire. Cet assassinat de Dieu, sans oublier d'autres tués de nos frères et sœurs à travers le pays, nous amène une fois de plus à réfléchir, à méditer sur l'insécurité et la violence qui prennent des proportions et des tournures de plus en plus mauvaises et inquiétantes dans notre pays, la République démocratique du Congo, et de façon particulière encore, c'est inquiétant ici à Kinshasa, où tout le monde vit dans la peur. En attendant l'aboutissement des enquêtes en cours, enquête que nous espérons juste, objective et impartiale, nous ne pouvons éviter des questions pertinentes qui taraudent notre conscience. Pourquoi toutes ces violences physiques, voire verbales, sans fin dans notre vie? Comment expliquer que le Congo, le peuple congolais, qui était connu pour sa fraternité d'un coup, est devenu un peuple porté vers la violence, vers la physique, des insultes. On ne nous répondait plus. Pourquoi autant d'intimidation et de délits de liberté individuelle?
Pourquoi cette montée en flèche de l'intolérance et de la bataille dans notre pays? Quel gagne-t-on à vouloir mettre fin de manière grandiose à la vie de son frère et de sa sœur? C'est de tout et de l'endroit. Et puisqu'il m'a permis de le tuer, il est aussi permis à un autre de le tuer. Donc, nous retournons à la culture, à la civilisation de la jungle, où le plus fort massacre le plus faible, en n'entendant qu'un plus fort que lui vienne à son tour le massacrer. Pourquoi le coup dans notre pays, la personne humaine n'a plus de valeur, ni de dignité intrinsèque? D'où vient cette banalisation de la vie humaine et des cultes, des insultes, des injures, de la violence verbale et physique? Tout cela vient d'où? Aurions-nous perdu au Congo le sens de l'humain en sacrifiant la dignité de la personne humaine sur l'autel de notre intérêt partisan? Toutes ces questions et tant d'autres encore, frères et sœurs, bousculent la conscience humaine, notre conscience individuelle et collective. Nous ne pouvons pas ne pas nous poser ces questions-là. Shalom. La parole est et nous venons d'entendre. Nous permettons justement d'apporter des éléments de réponse à quelques-unes de ces questions que nous nous posons aujourd'hui. En même temps, la parole de Dieu nous interpelle sur les devoirs de responsabilité et sur le respect de la vie humaine, de toute vie humaine qui est sacrée. La vie humaine qui est sacrée n'est pas seulement la vie de quelques-uns, toute vie humaine est sacrée. La première lecture que nous venons d'entendre, tirée du livre de la Genèse, nous ramène justement au premier meurtre de l'histoire de l'humanité, le prototype d'assassinat. Il s'agit de l'assassinat d'Abel par son propre frère Caïn. En effet, en écoutant la Bible, nous constatons que Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie et de la non-acceptation de l'autre homme différent. L'autre est différent. Abel était un éleveur de moutons. Caïn était un agriculteur. Normalement, ce sont deux métiers qui se complètent. Mais le sentiment de jalousie s'est emparé de Caïn. Et voilà, puisque son frère est différent et que ce qu'il fait a plu au Seigneur, il faut le dire. Regardons notre nombre de sociétés. Aujourd'hui, de par le monde et de façon particulière dans notre pays,
on tue à cause de la foi, le bien matériel. On tue à cause de la volonté de puissance. On tue à cause de l'intolérance. On n'accepte pas que l'autre peut être différent de moi. L'intolérance, c'est la pensée unique. Or, toute pensée unique est nécessairement une pensée inique. Celui qui perçoit la réalité autrement que moi n'est pas nécessairement mon ennemi. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi entre les frères et sœurs. Même dans une famille, on est frères et sœurs, mais on est différents. Mais cela ne fait pas de nous nécessairement des ennemis à abattre. La jalousie de Caïn le conduit au malheur, le conduit à la violence et au meurtre de son frère. Tous ces sentiments meurtriers trouvent donc leur origine dans le cœur de l'homme, qui devient l'acolyte de Satan, le meurtrier par excellence. C'est même qu'on enregistre dans notre pays aujourd'hui. Ce ne sont pas des actes comme ça spontanés, ce sont des actes réfléchis, planifiés et exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée. Bref, tout ceci est dans le monde. Le récit de Caïn et d'Abel s'achève par la punition que le Seigneur a infligée à Caïn. Nous pouvons donc en tirer deux leçons majeures. La première leçon, c'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas une nation, on ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans ce pays où la dignité de la personne humaine n'a aucune valeur, dans un pays où le droit et l'homme ne comptent pas, c'est un pays qui va tout droit à sa ruine. Aucune violence, aucun maître ne restera impuni. Aucune violence, aucun maître n'échappera suprême.
au lieu de nous comporter comme dans la République de la Jungle, où le plus fort bouffe le plus petit, Jésus nous enseigne une autre attitude. Jésus nous donne la charte de la vie chrétienne. Il nous invite aujourd'hui à briser la spirale de la violence qui ne peut engendrer le malheur et la mort. En effet, Jésus déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Et si quelqu'un tue, il répondra au tribunal. Eh bien, moi, Jésus, je vous dis autre chose. Quiconque se fâche contre son frère, contre sa sœur, en répondra au tribunal. Quiconque insulte son frère, sa sœur, a-t-il sur lui la malédiction. Tu ne tueras pas, ni physiquement, c'est d'abord Jésus qui renchérit et dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est la parole dans la chambre. Mais moi Jésus, je vous dis, n'est pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te semble-t-il un souffle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Matthieu 5, 28 à 29. Voilà, frères et sœurs, un appel à la non-violence et au pardon. Et de nous tourner vers celui qui a la compétence, celui qui a la charge dans la communauté de rendre justice. C'est l'État. Cet appel n'est pas cependant synonyme de la peur et de la résignation. Cela ne signifie pas peur ou résignation. Il est plutôt l'adhésion à la loi et à la volonté divine. Il nous fait plutôt ressembler à Jésus qui nous demande de pardonner à nos bourreaux. Si donc la justice humaine ne peut s'occuper d'eux, Dieu lui-même s'occupera d'eux inévitablement. À vous qui tuez nos frères et sœurs, à travers vous, sachez-le que vos actes ne resteront jamais inutiles. À vous qui tuez ou exercez toute forme de violence physique ou verbale, sachez que personne au-dessus de Dieu, ni ne peut prendre sa place. À vous, chère maman Jésus,
et aux membres de la famille de l'Église de l'Espagne. Vous avez certes perdu un être cher, très cher. Il n'y a rien au monde qui peut remplacer ces vies et pays. Perdre un mari, perdre un père, un frère, ça fait très mal. Et c'est une certitude. Chérubin au bien-aimé est parti. Et vous ne le reverrez plus avec vos yeux humains. Voilà pourquoi nous pleurons. C'est vide de incommensurable. Mais la foi chrétienne, l'espérance de la foi chrétienne, nous rassure. Que c'est humain, même mort, il est vivant. Il a vécu dans une communauté. Il y a des gens qui l'ont aimé, qui l'ont porté et qui continueront encore à l'aimer. Tous ces gens qui forment notre communauté seront toujours là, à votre côté, pour vous soutenir. La communauté chrétienne, que votre père, votre mari, votre frère a servi avec beaucoup d'abnégation, sera toujours votre réconfort pendant le moment difficile. Comme nous avons entendu aujourd'hui, vous avez attaché cette certitude au-delà de la douleur. Que cet assassinat ne restera pas impuni. Même s'il n'y a pas de justice humaine, celle de Dieu est incorruptible. Voilà pourquoi, tout en vous présentant mes condoléances le plus attristé, je vous exhorte à l'espérance. Chez le père aimé, votre mari, votre père, votre frère n'est pas mort. Il est entré dans la vie. Et nous avons la certitude de foi que de là où il est, il vous regarde, il vous entend et il vous soutiendra dans votre pérégrination sur cette terre. Puisse le Dieu de miséricorde accorder son pardon aux auteurs de la violence et de l'humeur. Qu'il accueille dans sa demeure éternelle notre frère Chérubin Oubien et qu'il accorde la paix et la sérénité à la famille éprouvée et à toutes les personnes de cette mort à toucher de près ou de loin. Amen.
prions donc ensemble au moment de paix le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de nos serviteurs, chéri Père, pour qu'il nous aide, nous faisons appel à ta bonté. Il n'a pas hésité à reconnaître en son Fils un sauveur près de ton Père. Fais qu'il trouve en lui un juste miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prendra fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et vous faites en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire. Puissions dire avec confiance la prière de Jésus-Christ lui-même.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous notre offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à nos vêtements. Donne la paix à notre pays, la République démocratique du Congo. Instaure ta paix dans nos communautés, dans nos familles, dans le cœur de chacun chapitre de nous. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette généreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire de la patrie, le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
ce sacrement jusqu'à la table où le Christ les convie dans l'éternité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénédiction finale. Nous accordons la parole à un membre de la famille qui a été désigné à cet effet. L'honorable Germain Okende, de vous transmettre un remerciement pour votre présence dans cette Eucharistie. Nous vous remercions sincèrement de tout cœur. Vous avez pris tout votre temps et accepté de nous joindre à nous dans ces moments de tristesse, de détresse. Nous remercions aussi de tout cœur Papa Cardinal Fridolin, Éminence Fridolin Cardinal Ambongo, pour avoir accepté de célébrer cette messe à l'honneur du repos de son ami et confident, cher Éminence. Tout a été dit lors de l'homélie de l'Éminence, ce qui nous laisse à ne pas faire beaucoup de commentaires, mais plutôt nous allons vous rappeler lors de la première lecture de cette messe, l'histoire de Caïn et Abel, où tout a été intervenu dans la méchanceté, la jalousie. Nous, famille, sommes attristés, certes, mais nous espérons que le sang de notre frère Marie-Hébert ne va pas couler pour rien, ça va plutôt intervenir pour ramener la paix. La paix, parce qu'il a été un homme de paix. Au même égard que le sang de l'Euro national Patrice Emery Lumumba qui avait coulé pour donner la liberté aux Congolais, ainsi que le sang de Musée Laurent Désiré Kabila qui avait coulé pour donner la dignité tant qu'il y a la liberté, la dignité, et le sang de Germain Okende, c'est pour redonner la paix. Et bien nous remercions toute la communauté chrétienne et nous allons solliciter aux églises, aux mosquées, aux temples, de continuer à nous soutenir dans leurs prières pendant ces moments de détresse. Pour ne pas monopoliser la parole, nous vous remercions sincèrement.
qui est né, paix à son âme et surtout mes condoléances à sa famille politique, mais aussi à sa famille biologique. Le gouvernement demande une commission d'enquête. Vous croyez en la justice? Nous avons besoin d'une enquête pour savoir qui a attenté à la vie, bien sûr, de l'honorable Chérubin Okene. C'est normal. Il faut qu'une enquête, le peuple congolais doit faire pression pour que cette fois-ci, on nous dise qui a réellement assassiné le député national Chérubin Okene. D'être vigilante, mais surtout de protéger ses élus. Voilà. C'est en mémoire de l'illustre disparu, l'honorable Chérubin Okene, abattu de manière inexpliquée dans un état de droit. Un homme qui s'est réveillé le matin, laissant sa famille aller répondre à une invitation de la justice, et finalement celui-ci n'est plus revenu chez lui. Ce n'est pas différent à ce qu'il était arrivé à chez Béa. Nous avions condamné cela. Nous avions cru que ces régimes pouvaient changer des choses parce qu'ils ont clamé pendant plusieurs années l'état de droit. Mais aujourd'hui, nous constatons que Étienne Tshisekedi est parti avec sa lutte. Étienne Tshisekedi est enterré avec son combat. Félix Tshisekedi a poignardé le combat de son père. Et aujourd'hui, je pense que le peuple congolais doit le savoir, que ce régime veut instaurer la terreur, la peur, pour lui empêcher de revendiquer ses droits et museler l'opposition. Le peuple congolais doit se mettre debout pour ne pas permettre cela et barrer la route à ces fossoyeurs de nos libertés. Toyaki a photo to salana mes ya Chérubin Okene kondo a tika ki biso a kufi na lolenge e sengela kite tata libota abimaki na ndako na tongo a tika ki libota yaki ko répondre na invitation ya justice na biso pe a zongi lisusu te a woyi e ali différente na auto déploraki na o e komela ki activiste de droits de l'homme Floribert Chebea lelo e komeli Chérubin Okene. Mais comme il y a un angoya régime, Batoba Ganga qui est état de droit, Babundela qui est état de droit, Babundela qui est liberté. Mais le régime qui est déjà incompétent, mais Tokoka qui est organisateur, qui est un régime criminel, régime sanguinaire. Mais les Congolais vont comprendre que Batoya régime qui va instaurer le bang, qui va être bang, pour être réclamé sous le droit de bisoté. Comme il y a un écho, il y a un bimisi mindo qui a l'iwa. Bakangela ki biso lenso melonga batie na boloko kino lelo plus de 60 jours sans raison valable bayebisa ki biso na bato ya ANR ke na bato ya parquet zalaki na sima ya plainte ya fondation Denise Nyakiro mais lobby toyo ki ete fondation Denise Nyakiro lobby azali na sima ya bokangami ya lenso melonga te état de droit otobundela ki yango te état de droit otobunda ki ensemble na kati ya rassemblement elongo na IDPS eza oyo tokomona lelo te na bandeli lisusu ke Félix Tshisekedi ya tobimbeli na bitumba ya Étienne Tshisekedi état de droit ya lisusu te bakongolais bobangi ezala te toteleme pamba te esengeli totya hors de temps de nuire régime oyo elingi koseme terreur mais ezali kovivre na kati ya incompétence notoire. Il présente ses condoléances à sa famille biologique et politique. Nous notons que cet assassinat intervient dans un contexte préélectoral marqué par des arrestations arbitraires, détentions illégales, obstruction des mouvements citoyens, intimidation, harcèlement, enlèvement et visant les figures de l'opposition. La société civile et les clergues catholiques qui osent critiquer les gouvernances générales du pays. Le climat de terreur est visiblement entretenu et encouragé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Lui-même, l'opinion nationale qu'internationale se rappelle encore que le chef de l'État a publiquement félicité un responsable de la police pour avoir condamné la répression de la manifestation de l'opposition par la police. Les militaires et miliciens du pouvoir en place le 20 mai 2023 à Kinshasa. Rappelons que Félix Tshisekedi a publiquement promis à Mbujimayi le 25 mai 2023 que les personnes qu'il considère comme une menace à la sécurité du pays seront systématiquement attaquées sans que leurs droits constitutionnels ne soient respectés. Nous savons tous qu'un régime qui tend vers une dérive dictatoriale se sert toujours des nécessités sécuritaires, protection de l'intégrité territoriale pour justifier ses bavures. Ces discours assumés au sommet de l'État
pourrait justifier la crispation de la situation politique actuelle marquée par l'utilisation notamment des services de renseignement pour mater les voix critiquées au mépris notamment des valeurs de la démocratie et de l'État des droits pour lesquels les Congolais se sont battus face à Mobutu et Kabila. Au vu des circonstances de ces crimes odieux, des discours tenus par Félix Tshisekedi en amont des attaques que subissent les défenseurs des droits humains et les opposants, il y a des relations de questionner la responsabilité de l'État dans l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Faudra-t-il savoir si ces crimes ne seraient pas commis dans l'optique de réduire au silence les opposants et les militants de la société civile qui menacent l'envie de Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir à travers un processus électoral mal engagé qu'il tient à contrôler entièrement. À cet effet, les mouvements citoyens exigent une enquête indépendante, rapide, exhaustive, associée aux services de sécurité des États partenaires pour déterminer la circonstance exacte de l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende, afin que les auteurs, co-auteurs et commanditaires de ces crimes soient connus et punis selon la loi. Appelle les peuples congolais à demeurer mobilisés face aux dérives dictatoriales que le régime actuel implante par petit à petit. Annonce les actions pacifiques de grandes envergures dans les prochains jours sur toute l'étendue de la République afin d'apporter une réponse forte, appropriée et durable à ces graves violations des droits de l'homme et défendre la démocratie dans la paix de notre pays. Fête à Kinshasa le 19 juin 2023 pour les voix citoyens. Lucha, mouvement citoyen justice en action, les Congolais debout, Vici, patriotisme oblige, sauce, jeunesse en danger, et coquille pour les actions, pour les changements de la classe politique, jeunesse en action, les décideurs, jeunes, lucides. Je dis et je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du monde.